À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ma team. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la chute de Thibaut Pinot qui est survenue lors de la première étape du Tour de France 2020, la 107e édition du Tour de France. Et Thibaut Pinot, le leader, qui a chuté sous la flamme des 3 km. Donc, une chute qui a laissé des traces pour Thibaut Pinot avec quand même son maillot déchiré sur l'épaule droite. Et pour l'instant, il est reparti sur le vélo, donc ça a l'air d'aller mieux. Pour le coureur français, plus de peur que de mal, mais en tout cas, sacrée chute. Une chute qui n'a pas de conséquences au niveau du général. Il faut savoir que la règle des 3 km sur une étape de plaine, arrivé sous la flamme des 3 km, vous serez compté même avec une chute au même temps que les coureurs ayant franchi la tête de la course en premier, tout simplement. Si c'est une arrivée groupée avec le peloton. C'est différent dans le cas d'une échappée. Donc là, ça a été le cas d'un sprint massif avec le peloton. Donc Thibaut Pinot ne va pas perdre de temps en général. Reste à savoir si cette blessure va laisser des traces ou pas dans les jours à venir. Seul l'avenir nous le dira. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao!